Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit G-Mod. On va aller faire un tour sur World War 2. Je suis pas bugueux comme ça là. Bon, on va rejoindre les potes. Parce que la commande en tour, venez. J'ai quoi comme flingousse moi? J'ai un M40. On va le mettre en safe. Montez. Ok, c'est vous qui conduisez? Démarre le moteur, on y va. Et y'a un mec derrière aussi. Faudrait peut-être nettoyer les vitres, hein. On y voit que dalle, mon Obergrenadier. C'est vrai. Oh, y'a un gros sassard. Genre l'autre il fait des soudures. Vous me suivez? À vos ordres. Y'a un plan de la map? Ah ouais. Messieurs. Bon, dégagez de mon chemin. Et regarde que c'est faire au pied. What? Non, dépêchez-vous, c'est pas votre temps. C'est pas pour vous vous offenser, mais le général est occupé, il semblerait. Écartez-vous de mon chemin, dépêchez-vous. Non, mais écoutez, vous parlerez. Quoi s'y passe? Entrez. Ton professeur après vous. Oui. Attends, oui, je comprends, oui. C'est quoi ce bordel? Monsieur. Vous avez des informations, Torfacer? Ah oui, excusez-nous de vous déranger avec votre enfant. C'est une femme. Ah, c'est votre femme, autant pour moi. Oui, c'est... qu'est-ce que je peux faire pour vous hein? Je sais pas, je suis là sur les ordres de mon Obergrenadier. Des informations à nous transmettre hein. Non, aucune. Vous a fait revenir du front, Torfacer, car soi-disant, vous aviez des informations importantes à nous donner. Hein. Ah. J'ai compris. Hein. Vous devez sûrement les donner uniquement aux membres de la SS. Hein. Je comprends. je vais vous conduire avec l'Obergrenadier hein, jusqu'au bâtiment de la SS. Et là, vous allez pouvoir donner vos informations. Mais quelle information? Bien. Professeur, allez-y, je suis derrière vous. Pourquoi il y a un bébé comme ça, là? C'est quoi les informations? On m'a rien dit, moi. Professeur, sur le général. De quelle information il parle, le général hein? J'ai pas trop suivi, moi. Thierry, attends-moi. Je crois qu'il y a votre femme qui vous appelle. Si, Valéria. Elle a mangé, c'est des croquettes. Sa femme mange des croquettes? Oui, mon Thierry. Après, chacun est du cas, sa femme comme il veut, hein. Ramenez-vous directement au niveau de votre Sturmbannführer, dépêchez-vous. Mais attends, quelle information je dois transmettre? Bon. Guten Tag. Sturmbannführer, repos. Gardez la porte, Obergrenadier. Donc, Interfacer, c'est bon, désormais nous sommes en milieu resté. Vous pouvez nous donner des... Je vous explique, j'avais aucune information, c'est juste que je voulais rentrer à la base parce que le front me faisait peur. C'est une plaisanterie, hein. On n'a pas mis tout ça en œuvre juste pour ça. J'ai bien peur que si. On entend Sturmbannführer. Envoyez des messages radio, nous allons assurer votre protection quoi qu'il compte, vous inquiétez pas. Mais on est en train de se faire attaquer. Hein. On se fait attaquer. On se fait attaquer. Tirez. Un gros combat, messieurs. Intérieur, tout le monde à l'extérieur. Vous aussi, Sturmbannführer, vous allez dehors. Il ne faut pas qu'il pénètre la pièce. Donc là, vous me faites le plaisir, vous sortez, vous nous protégez. Hein. On va pas se protéger tout seul. Hein. Intérêt à prouver votre valeur au combat. Si je meurs, vous mourrez. Hein. Vous inquiétez pas, mon flingue est chargé. Parce que moi, j'en ai pas. Je sais pas ce que c'est, si c'est un Allemand ou un Ricain, ça. Général, partout. Hein. Il nous encercle. On est dans la merde. Tous dehors. Y'a un char, y'a un char. Et tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Hein. Y'a un char jusqu'à la fenêtre. Oh putain, il va tirer. Reculez, reculez, je crois qu'il va tirer. C'est parti, il y a pas une arme. Oh putain! Bon, c'est quoi le plan, mon général? J'ai entendu une porte. Les renforts, ils devraient bientôt arriver, mais je sais pas si ça va être les renforts allemands qui vont arriver. Peu importe l'information que vous avez eue, il ne faut pas la donner aux Américains, d'accord? Restez au moins loyal dans vos derniers instants. Oui, pas de problème. J'ai aucune information, de toute façon. Derrière la porte! Restez en arrière, restez en arrière. On est plus nombreux que vous. On est plus nombreux. Vous, arme. Baisse ton arme. Baissez vos armes. Vous êtes cernés. Vous êtes tous cernés. Exactement. Ok. Les menottes. Ah putain. J'en ai mis un. Menotté. Ok. Leur nom. Notez leur nom. Toi avec le casque. On se fait attaquer. Ah putain, y'a les renforts. Oh putain. Je vais me faire plomber moi. Non. Ne tirez pas, ils m'utilisent un bouclier humain. Baissez-vous. Vous vous rendez? On a des otages, rendez-vous. Non, ils ont des otages. Ah. Imbécile. Ils sont morts. On extrait les otages, on doit les extraire, go. On est dans la merde là. Ils ont explosé la porte. Non, la porte elle était neuve. Oh, il m'a mis nous lui. Ok, go, fouillez-les vite. On est attachés comme des chiens. Comme des gazelles. Je me prenais une balle perdue. Oh putain. On court. Le garde qui tenait le général, il est mort. Ouais, putain, y'a un char, monsieur, c'est vite. Oh putain, y'a un tank. Oh putain. Vous êtes attaqué. Le char, nous écrasé. Oh, je vous couvre, allez-y. Oh, ils sont là. Ils nous tirent dessus. Oh, putain. Que dalle, ils nous couvrent calme. Stupide.
tranchées, passez par les tranchées, général. Vous allez rien tirer de nous, je vais rien vous dire, de toute façon, je préfère crever. T'inquiète pas, je vais m'en occuper de toi. C'est bon, on est à la base, on est... c'est bon, on est safe. Mais vous nous ramenez où, en Amérique, là? Faites bon, ça pour le prix d'un... Oh, merde. Au cachot. Cooper Stenschlag. Entrée. Le risque. Et si j'ai pas envie d'entrer? On a pris beaucoup de risques. J'irai pas, je m'en fous. Allez, Fouyanal. J'irai pas. Bon, d'accord. Bon, nickel. Oui, monsieur. Fouyanal. Ah non, pas encore. Je vous dirai rien. Je vous dirai rien. Ok. Les papiers de le... Ah, First Lieutenant, vérifier les papiers. On a des manières et on a des compétences qui nous permettent de vous faire parler. Vous avez les moyens de me faire parler? Oui, je vous conseille d'être coopératif et de nous raconter tout maintenant. Jamais. Bah, faites attention, j'ai... Il va rien dire. Y'a moyen, je lui pète le nez là. Lâchez-moi, je vous prends tous un par un. Allez me chercher ma caisse à outils. Attendez, on est protégé par la convention de Genève, vous n'avez aucun droit de nous torturer. Okay. On est dans un sous-sol. Du coup, on est dans la merde. Et tout le monde, et personne n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Je suis aveugle, général. Vous avez quelque chose, vous? C'est mon général. Vous voyez quelque chose? En tout cas, vous avez une belle paire de jumelles. Je sais, merci. Écoutez, vous voyez mon calepin? Vous avez une sale gueule. Mon calepin, votre petit couteau là. Qui vont raconter des trucs. Je vous dirai rien. Mon général, vous inquiétez pas, je vais pas parler. Vous mangez des patates. Eh bien, tu me connais bien. Tu sais, mon ami. Vous avez rien vu, personne n'a rien vu. On a la convention de Genève avec nous. Genève, je l'ai déchiré. Aïe. Quand on va sortir d'ici, on va vous mettre dans un train, vous. Ramenez le médecin. On a des certaines compétences qui vont nous permettre de vous faire durer très très longtemps alors qu'on vous fait subir des choses pas très catholiques. Attendez. Vous allez faire quoi avec ces outils là? Vous allez être content. D'abord les dents. Vous savez là, votre nouveau colonel allemand là, SS. Vous savez celui qui a arraché des dents aux Américains et qui nous les a rendus découpés? Standard Führer, Peter Chamberlain. Ah ouais, qu'est-ce qu'on s'était marré? Ah merde. C'est ballot ça, je crois qu'il va vous arriver le même sort. Oh, je m'en fous, j'ai déjà plus de dents moi. Oh bah ça se voit, je te laisse tout le monde, vous avez un dentier. Dites-moi, nous ce qu'on veut savoir, c'est toutes les positions allemandes en Normandie ici. Toutes. Bah les Allemands se trouvent au niveau de... Le Kamasutra? Pardon mon général. Toutes les positions allemandes se trouvent en Normandie, bien évidemment. Mon général, troupe allemande en approche. Ouais, vous le tuez. Moindre connerie, on les fume hein les gars. Ouais. Le boule, t'inquiète. Oh putain. Oh. Dans la forêt. Fais chez vous. Non. Allez, on bouge dans la forêt. Écoutez, Steingeschfeld, je sais pas quoi là. Cooper Steinschnell. Ouais, je m'en fous. On est votre arrière. On va le tuer. On est de la merde. Plus, bougez plus. Rentre, bouge plus. Je bouge plus. Bien joué, mon général! Je vous laisse. On doit le terminer. On doit le terminer? Non, faites pas ça! Non. Vous avez bien fait chier. Hasta la meet you! C'est bon. Tiens! Vous allez bien, messieurs? Arrêtez de nous tirer dessus, hein. Peut-être que ça irait mieux. C'est le général! Oh, général, arrêtez de tirer, c'est bon! On les a! Allez, go, montez! Surmonte le tank! Ah, il fait brûler la maison! Fais tout brûler, t'as raison! On les avait prévenus! Oh, y'a un avion là! Oh, c'était quoi ça? Derrière. Continuez à avancer. Juste à gauche, ouais. Okay. C'est bon, neutralisé. C'est pas un avion allemand. Faites feu dessus. Feu. Oh ah. C'est quoi qui brûle? Ah, genre les corps américains. Descendez. Waouh. Ah ouais, c'est des corps. Waouh, on s'en est sortis les mecs. Après avoir essuyé une attaque américaine au sein de notre propre base de force et notre grande armée avec l'appui de la Waffen-SS, a récupéré deux otages. C'est moi et l'Hunter of Eiser Cooper quelque chose. Cooper Steinschnell. C'est pour ça. Cooper Stein... Ouais. Donc, Bon, maintenant qu'on est en vacances, on va au bar. Vers la ville, là, qui est juste en face de nous. Bon restaurant, très bon bar. Il y a peut-être des petites françaises en plus. Oh, regardez, on va pouvoir bouffer. Ah, mais il est malade, lui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Eh, bonjour, monsieur. Vous voulez une tarte, monsieur? Une tarte? Ouais, je veux bien une grosse tarte, ouais. Attendez, vous voulez une grosse tarte? Ouais. Oula. J'en ai plus, en fait. Les Allemands, ils les ont mangés tout à l'heure, là. Ils sont venus en ville. Vous avez une baguette par terre, si vous voulez, là. Il y a du pain. Ok, merci. Je paierai plus tard, mettez ça sur mon ardoise. Ah oui, c'est les Allemands, hein. Et de fou. Bon, j'ai trop mangé, faut que j'aille aux toilettes là.